va être un challenge. Je crois que ça va être une première sur ma chaîne en fait. Ça fait longtemps que je veux faire ce challenge, mais j'ai jamais trouvé l'occasion. Je suis toute wow. Bon bref, c'est sur les clients pris là. Donc avec internet, j'ai tapé chrono en ligne et par rebours, et comme par hasard, il y a eu une présélection de 6 minutes. Donc c'est parfait, je vais vous montrer voilà à quoi ça ressemble et je vais mettre juste sur démarrer. C'est parti. 1, 2, 3. Donc là je vais prendre mon correcteur puisque ma routine teint c'est avec mon correcteur et mon bronzer. J'en applique normalement. Donc là, 4 minutes et 20 secondes. Là, on dirait un zombie. Mais en fait, c'est juste pour préparer le teint. Bon, c'est vrai que là, je suis en train de faire n'importe quoi, en fait, finalement. Hein. Je me transforme en vampire. On va réchauffer le teint avec le bronzer. On va prendre le bronzer qui est comme ceci. Mon pinceau de chez ELF. Et on va réchauffer le teint. On va mettre une poudre compacte de chez Sephora. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Il me reste 3 minutes. Alors je dois vous dire que dans la vraie vie je ne fais pas ça. Ça devient de n'importe quoi. Oh, je suis trop pâle, c'est un truc de malade. Ensuite je viens prendre mon blush de chez ELF qui est le blush in rose. Ça change pas, c'est toujours la même routine. Mon pinceau. Et j'applique tout ça. Oh là là. Bon, ça m'a fait devenir pas mal quand même. Ensuite, je viens prendre. Ça, c'est la palette qu'il faut prendre quand on est pressé. C'est la palette de chez Réserve Naturelle. Je prends la teinte. Je sais pas la teinte. Bon, elle est dorée parce que dorée, c'est. Voilà. On applique. Oh mon dieu, c'est du gros n'importe quoi. Bon ça va, j'ai le miroir. Hein. Je pense que je vais faire le challenge de no miroir make-up là. No mirror. Je prends une couleur un petit peu foncée pour faire genre que j'ai travaillé mon maquillage. Et mais mon chrono, 1 minute 54. Ouh là là, je crois qu'on va... éviter l'eyeliner, je prends mon truc colle, voilà, je mets vite. Oh mon dieu. Mais genre quand je voyais les tutos des autres, enfin les challenges des autres, je disais à chaque fois, ouais non mais c'est facile à faire mais pas du tout avec oh, 1 minute 23, ça ressemble absolument à rien. On va mettre du mascara. Mon mascara ressemble à ça. Mais je suis trop débile, il me reste 1 minute. Et je peux mettre, enfin 1 minute 4. Et je peux mettre, en fait, j'ai encore le temps pour mettre du rouge à lèvres. Je vais d'abord mettre mon baume. Mais j'aurais pu m'appliquer. Je suis dégoûtée. Je vais mettre mon gloss. 48 secondes. Ah zut. Bon, on va essayer de rattraper. Il reste 35 secondes. Voilà ce que ça donne. C'est complètement
Bon, franchement, je peux sortir comme ça. Franchement. Par contre, mon teint, en remarque, ça va. Franchement, c'est un gros trait. Là aussi. C'est dégueulasse. Mes sourcils ne sont pas faits. Mes imperfections ne sont pas trop cachées. Et bon, franchement, je ne m'occupe pas trop de les cacher. Bon, là, ça fait. Ça va. Les lèvres, je ne me suis pas compliqué la vie, bien évidemment. Bon, ça va, franchement, ça va. Je suis contente de moi, sauf pour le liner qui est gros. Trop gros là. Enfin, le liner, le crayon, parce que le liner. Ça a été très rapide comme vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ce challenge vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à partager la vidéo parce que je trouve ça très drôle. Bon, je vais voir tout ça quand je ferai le montage parce que voilà, je sais pas à quoi ça ressemble vraiment quand on le fait. Et je pense que mon prochain challenge. Je sais pas qu'est-ce que ça va être, mais en tout cas je vais faire le challenge des 3 minutes. Oh mon dieu, ça va être horrible, mais j'ai envie de le faire parce que je trouvais que 5 minutes quand même c'était faisable. Donc ce challenge, je tape toutes celles qui ne l'ont pas fait. Mes copines toulousaines, si y en a qui l'ont fait, vous pouvez le refaire. Si vous ne l'avez pas fait, ça va être encore mieux. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.